Bah, ce type de masterclass, j'ai même pas l'impression que ça existe à part ça. Donc, okay. J'avais fait des masterclass, mais pas quelque chose comme ça sur une année où on est vraiment suivi. Alors c'est vrai que cette semaine, il s'est passé énormément de choses à l'académie. Et travailler avec Philippe, c'est exceptionnel parce que déjà, c'est un artiste incroyable. Et moi, j'ai retenu vraiment sa bienveillance et le fait qu'il cherche avec nous et vraiment très individuellement qu'il apporte des clés et des outils pour chacun. Beaucoup de rencontres aussi avec les autres académiciens. On rencontre des gens de tous les horizons, voilà, qui ne sont pas forcément du même conservatoire que nous. Donc ça permet d'échanger avec les gens aussi de la direction, d'échanger avec les professeurs qui sont là pour parler avec nous. Donc belle semaine de partage. Alors cette semaine, donc, on a fait des masterclass avec Christian-Pierre Lamarca tous les jours. Donc c'était assez stimulant puisque tous les jours on devait présenter des nouvelles œuvres où il nous écoutait en entier, et puis c'était la première fois qu'on le rencontrait, donc il fallait, voilà, il fallait un petit peu tout donner, puis être très réactif, donc ça c'était intéressant. Et comme on joue en concert bah, au bout de finalement de 5 jours, mais il faut, voilà, il faut être très prêt, et ça met dans des conditions peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire, où voilà, on ne sait pas forcément exactement ce qu'on va jouer, et puis d'un coup on nous dit voilà, c'est ça qu'il faut jouer, donc il faut être prêt, et je trouve ça très stimulant en tant que, bah, que jeune artiste de pouvoir être confronté à ce genre de choses. Voilà. Peut-être que comme il y avait cet objectif du concert, j'ai chanté chez Geneviève et aussi chez les autres professeurs vraiment une question en rapport avec le public, donc c'était toujours comment émouvoir le plus possible le public et évidemment aussi en rapport avec les jeunes filleules qui étaient extrêmement mignons et qui étaient présents au concert, donc il y avait une atmosphère très familiale au concert d'ouverture. J'aime beaucoup la musique de chambre et développer ce côté scénique, vraiment, c'est vraiment un de mes objectifs, on va dire. Donc l'académie, c'est super pour ça.